What? Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Écoutez, encore une nouvelle vidéo de glitch. Putain, j'en ai tourné 3 d'affilée, les gars, on est parés là. On a vraiment cassé le jeu dans tous les sens aujourd'hui. Nouveau glitch qui vous permet d'être complètement invisible. Sachez qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il vient d'avoir une nouvelle mise à jour, une nouvelle grenade qui vient d'être ajoutée au jeu. Et il y a déjà un tout nouveau glitch qui vous permet de devenir complètement invisible. Bah, grâce à la nouvelle grenade, en fait. Regardez d'ailleurs, là par exemple, on est avec Corvio, Esteban et Blue. Et Esteban et Corvio viennent de le réaliser, donc ils sont complètement invisibles. Voilà, c'est réalisable en plus en ligne, donc je pense qu'ils vont retirer très bientôt ça du multijoueur pour nous corriger le glitch. Donc je vous conseille de le faire uniquement avec vos amis en privé sur l'île principale de Fortnite en créatif et en terrain de jeu pour le fun. Mais je pense plus que ça sera possible très bientôt les gars, mais ça sera toujours possible en privé avec ses amis. Donc écoutez, tout simplement, pour faire ce glitch, c'est vraiment très simple les gars, on va vous l'expliquer. Juste avant que ça commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a servi et a appris quelque chose. Ça vous prend vraiment 2 secondes et ça aide au référencement de la chaîne YouTube. Également, si par pur hasard vous avez eu des difficultés à réaliser ce bug, ou bien tout simplement il y a un détail qui vous échappe, que vous n'avez peut-être pas compris sur la vidéo, pensez à me le faire savoir dans les commentaires, je répondrai à certains pour pouvoir vous aider. Et également je mettrai un petit cœur sur tous vos commentaires, voilà tous ceux qui me mettent un petit GG ou bien merci pour me remercier du bug tout simplement. Et ben j'irai leur mettre un petit cœur, ok. Bref, du coup c'est parti, pensez au petit like et d'ailleurs à vous abonner s'il y a des petits nouveaux, ça ferait extrêmement plaisir. Vous êtes quasiment 60% à regarder mes lives et mes vidéos sans vous abonner. Donc je compte sur vous, on vise les 200 000 abonnés avant la fin d'année, ça ferait extrêmement plaisir. Donc pour ce glitch les gars c'est extrêmement simple, il vous suffit de vous munir de la nouvelle grenade et tout simplement d'avoir un truc pour vous suicider. Voilà, je pense que jusque là vous me suivez, c'est pas compliqué. En fait le glitch consiste à balancer la grenade pour devenir invisible, mais à l'instant même où vous mettez en invisible vous devez mourir. Donc il y a plusieurs choix, soit vous réapparaissez, soit vous aidez du coup des limites de cartes. Là par exemple Corvio et Esteban ils ont fait le glitch en fait en se suicidant avec les dead barrières. Donc ils se sont mis en invisible et ils ont pris les dead barrières pour se suicider, ça a marché aussi. Donc c'est réalisable en fait à partir du moment où vous mettez la grenade et vous mourrez 2 secondes après. Ok, donc regardez bien, on va le faire tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Donc il faut balancer la Semtex, on va balancer ça. Et voilà. Ah putain, j'étais full life. Ça n'a pas marché du coup. Ah je suis un gitan. Attendez. J'avais trop de vie les gars, j'étais full shit, donc du coup ça m'a pas tué ma Semtex. Attendez, on va le refaire. Merci beaucoup mec. Donc regardez bien comment je fais les gars. Donc nous en fait j'ai une petite technique qui est vraiment hyper simple. Vous prenez une Semtex et une grenade, la nouvelle qui vient de sortir. Vous claquez la Semtex et dès que vous l'avez posée, vous passez sur la nouvelle grenade et vous la balancez. Et du coup vous allez devenir complètement invisible les gars, c'est assez bizarre. Regardez bien. Voilà, je suis complètement invisible sur le jeu les gars. C'est vraiment un glitch abusé. En plus, apparemment, il est réalisable en ligne, mais je pense qu'ils vont très bientôt retirer la grenade pour que plus personne ne puisse le réaliser en ligne. Il sera faisable que en privé avec ses amis, du coup, sur l'île principale de Fortnite. Et très bientôt, ils vont le patcher. Donc, si vous voulez en profiter, je vous conseille d'en profiter uniquement en privé pour le faire avec vos amis et pour troller vos amis en terrain de jeu. Voilà, tout simplement. Mais je vous déconseille de le faire en ligne. Le risque des bans est très présent, les gars, vraiment. Vous risquez de vous faire signaler et vous faire bannir. Donc, je vous déconseille de le faire autre part qu'en terrain de jeu avec vos amis, tout simplement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont visionné du coup cette vidéo. Si ça vous a appris un petit truc, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez également à mettre le petit pouce bleu et à me dire ce qui a peut-être du coup pas marché chez vous. Si je peux vous aider, je le ferai également. Merci à tous. Je mettrai un petit cœur à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de glitch. Du coup, c'était moi-même, Blue, Corvio et Esteban pour une nouvelle vidéo de bug sur Fortnite. Bah, ciao, ciao. À très bientôt. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul, these pills leave you empty and